Bonjour les amis, c'est la revue de presse du dimanche 14 novembre 2021. Au sommet, nous parlerons de l'actualité et l'appel du pape François à la grande réinitialisation. Et ensuite, nous parlerons d'un article dont le titre est « Le seul choix qui nous reste, l'esclavage ou la liberté ». Et enfin, nous parlerons de la vaccination de masse et la logique sacrificielle. Ça nous rappelle un peu à l'époque, à une certaine époque où les enfants étaient sacrifiés à un dieu satanique. Le pape François appelle à la grande réinitialisation mondiale. Selon le pape François, l'élite devrait introduire une réinitialisation mondiale et a prévenu que le monde ne reviendrait pas à la normale après la pandémie. Le souverain pontife a critiqué le monde d'avant la pandémie, qui, selon lui, était une proie de l'oppression capitaliste, à la corruption et à la guerre. La réalité que nous connaissons avant la pandémie était que la richesse et la croissance économique étaient réservées à une minorité, tandis que des millions de personnes étaient incapables de répondre aux besoins les plus élémentaires et de mener une vie digne, a déclaré le pape François. L'intégralité de cet article, vous retrouverez le lien dans la barre de description. Nous parlerons le seul choix qui nous reste, l'esclavage ou la liberté. Un très bel article aussi. Hein. Nous vous invitons, nous vous encourageons à aller lire cet article sur notre site officiel jemainforme.tv.com. La pandémie et le grand réveil. Bon. Ouais, c'est un très bel article. Et en dernier, nous parlerons de la vaccination de masse et la logique sacrificielle. Bon, après, là, ça nous rappelle à une certaine époque où l'oligarchie faisait des sacrifices humains pour accroître leur richesse matérielle. Un article aussi est bien entendu à retrouver sur notre site officiel.